Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des aventures avec Frodon, qui est complètement malade dans le Lego Seigneur des Anneaux. On l'a porté au village des elfes, parce qu'il s'est reçu un coup d'épée empoisonné. De la douche. Même du bain. Bien, une poche de surf. Allez. On va traverser le pont. Un jour. Où suis-je? Vous êtes dans la demeure d'Elrond. Gandalf. Oui, je suis bien là. Que s'est-il passé, Gandalf? J'ai été retardé. Qu'un seul seigneur de l'anneau. Et il ne partage pas ce pouvoir. Frodon! Frodon! Sam! Miséricorde, vous êtes réveillé! Sam est resté à votre chevet. Grâce au talent du seigneur Elrond, vous commencez à vous remettre. Bienvenue à Froncon. Frodon Sackey. Ok. Alors. Où est-ce qu'il faut aller? Voilà. C'est où la suite? C'est là aussi. Zut. C'est en bas. Pierre la carte découverte. Donc on revient en arrière. Il y a un plan là. Ils sont tous bonjour. Eh bien, ils sont polis les elfes. Même pas chez les elfes, c'est toujours un labyrinthe. Tu peux une petite pièce bleue, c'est toujours bien. Allez, comme il était l'année. Venu de terre lointaine, ami de toujours, vous vous êtes rassemblés ici afin de répondre à la menace du Mordor. Qu'attendons-nous pour le faire? Cet anneau est un don. Un don fait aux ennemis du Mordor.
Pourquoi ne pas s'en servir? On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut. L'anneau unique ne répond qu'à Sauron. Et qu'est-ce qu'un rôdeur connaît à ces choses-là? Ce n'est pas un simple rôdeur. C'est Aragorn, fils d'Arathorn. Vous lui devez serment d'allégeance. Le Condor n'a pas besoin de roi. L'anneau est totalement maléfique. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyante où il est apparu autrefois. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sacquet. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Et mon chapelet de saucisse. Et si telle est la volonté du conseil, le Gondor se joindra à vous. Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Nous venons aussi. 9 compagnons. Vous formerez la communauté de l'anneau. Bilbon. Voilà, tiens. Du mithril, aussi légère qu'une plume, et aussi dure que les écailles d'un dragon. Ma vieille épée d'arbre. La lame devient bleue lorsque des orques sont proches. Et sache, mon garçon, qu'à ce moment-là, tu devras être extrêmement prudent. Le porteur de l'anneau prend la route en quête de la montagne du destin. La communauté attend le porteur de l'anneau. Le Mordor, Gandalf, c'est à gauche ou à droite? À gauche. Bon. Ok. On va toujours pas commencer l'aventure. Alors, ils sont tous là. J'ai ça. Ok, il faut un orc ici. Voilà, ça commence à cailler sévère. Voilà, Caradhras. Ça fait 9 minutes que la vidéo a commencé. Ok, on commence donc l'aventure maintenant. Comme je le disais juste avant la séquence,
Voilà. Alors, nous y voilà. Un squelette. Je crois que je pouvais pas le taper. C'est bien qu'il fallait taper sur les squelettes. Il y en avait toujours un derrière. Là, c'est le deuxième. Là, non, c'est le premier. Oups, il y avait une marche. Faut lancer Gimli. Ok, donc le... Mais non, j'ai dit. Ah d'accord, faire ça. J'avais pourvu les barreaux. Ok, bon, on fait le même bazar que la dernière fois. On va traverser Gimli sur le dos. On casse, on y va. Un escabeau, un marchepied. On a compris que le nain il tapait. La paix sévère. Clash. Non, il n'y avait rien. Je regardais quand même, on ne sait jamais. Récupère quand même les pièces, hein. Dégueulasse, reviens ici. T'as pas le compas dans l'œil, hein.
Ça c'est nul ça, il faut spécifier l'emplacement béton. Ça. C'est mis Scooby-Doo là. Grincheux. Ok, on va arriver ici. Ah, il faut régler le nain ici. J'ai pas été regarder s'il y avait un truc de l'autre côté. Ça va bien qu'il y ait un truc. Quatre sur cinq. Ok. Aragorn, tu m'as foutu sur Frodo. Ce qui se ressemble quand on les voit pas. Très très bien de dos, ils se ressemblent. Hein. Très vite. Hein.